Alors, shalom, shalom, soyez bénis. Je suis le président fondateur de l'ONG Prophète Joël Crasso Espoir de Vie. Donc, Espoir de Vie. Voilà, l'ONG Espoir de Vie. Alors, je suis actuellement en Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, mais précisément dans la ville de Zérékoré. Inzérékoré. Voilà, nous sommes à cette date aujourd'hui du mardi 23 février 2021. Alors, je rends visite à une mère, Maman Joana, qui est un orphelinat. Cette dame, elle recueille les enfants en difficulté, voilà, qui sont orphelins de père et de mère. Ben, c'est un orphelinat en difficulté. Vous voyez, je veux vous présenter la responsable. Présente-toi. Présentez-vous, Maman Joana. Je m'appelle Madame Joanne Diolé Gono. Je suis la fondatrice de cette orphelinat Maman Joana. Je suis avec les enfants. Je suis des enfants qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère. Alors, est-ce qu'on peut connaître d'abord l'histoire? Avant de connaître l'histoire, on va voir là-bas la pancarte. Parce que c'est important de montrer, voilà. Voici déjà, vous voyez déjà, on dit ONG appuie aux enfants sans, aux femmes sans enfants et les enfants déshérités. Voilà. Voilà. Et on va essayer. Voilà. Donc je suis venu là dans le cadre d'exercice de mon travail avec la fondation. Voilà. Et c'est une dame à soutenir. Elle vient de recevoir. C'est quand tu as reçu ce bébé là? Hier soir. Voilà, elle a reçu ce bébé hier soir. Voilà. Il est orphelin, c'est ça? Il a perdu sa mère. L'enfant orphelin. Oui, l'enfant orphelin. Oui, il est enfant orphelin. Voilà, il est enfant orphelin. Alors, nous sommes en direct ainsi, ma chaîne. Nous sommes en direct comme ça. Alors, on peut savoir l'histoire des enfants. Parle-nous de l'histoire de chaque enfant. On peut savoir l'histoire. Ce tout petit, comment il s'appelle déjà? Voilà, lui, voilà, comment il s'appelle? Non, donne-nous l'histoire de chacun. Oui, c'est ce que je veux commencer. Oui, passez là d'abord. Alors, oui. Elle, il y avait ses sœurs ici, ses deux sœurs. Ses deux sœurs étaient ici. Voilà, plus sa maman, parce que sa maman était folle. Elle était folle. Voilà, donc je l'ai récupérée pour rester avec moi. D'accord. Mais chaque fois, quand je ne suis pas là, elle sortait. Oui. Et un jour, je l'ai vue avec grossesse. Okay. Et je l'ai dit, si tu as grossi. Mais tout là où on est parti, les gens vivent, on ne la connaît pas. Donc moi, je l'ai dit, ok, il faut garder. Comment on appelle ? Le bébé, je vais m'occuper de ça. Mm-hmm. Donc, quand elle a fait le bébé, mm-hmm. j'ai pris le bébé, on ne connaissait pas son père. Et elle aussi, elle était veuve, elle a perdu son mari. Mm-hmm. Donc, elle était avec moi. Mais ce n'est que le 9 janvier 2020, qu'elle est morte. Donc, elle a laissé un dé. L'autre n'est pas là. Donc, elle est maintenant, l'enfant là, est maintenant l'enfant orphelin de père et mère. Hey, l'enfant veut manger. Waouh! Doucement. Ça, c'est rien. Waouh! C'est le manger là qu'il mange. C'est le lait là? Et ça coûte combien? 60 000. Et la boîte fait combien de temps? 3 jours. Waouh! Il mange 6 fois par jour. 6 fois par jour? Mmh. Mais pourquoi forcément 6 fois? C'est écrit. Ah! C'est écrit. Donne-moi la boîte, je vois. Quand c'est le lait maternel, c'est 12 fois par jour. Waouh! L'enfant doit être 12 fois par jour. Avec ça, là, c'est 6 fois par jour. Ah, donc l'enfant, sa mère vit pas, le bébé? Oui, sa mère. Sa maman ne vit pas. Sa maman ne vit pas, elle est morte. Ça fait 3 jours. Elle est morte, ça fait 3 jours. Ouais. Et donc, on t'envoie l'enfant hier. On m'envoie l'enfant hier. Waouh. La cause de sa mort, tu n'es pas au courant. Ah, la cause de sa mort, elle était malade. Elle était malade. Si c'était pas sous l'accouchement, elle était malade. Ok. Alors, donc, on veut sembler savoir l'histoire de ce bébé aussi. Ça, c'est Emmanuel Zotomi. Il vient d'un village appelé Gonon. D'accord. Sa maman et le papa étaient très, très pauvres. Mmh. C'est très, très pauvre. Mmh.
Maintenant, la maman avait une grossesse de 7 mois. Il y a une nuit, elle n'a pas mangé. Et le lendemain, elle était partie pour travailler. Et celle là-bas, elle s'est accouchée à 7 mois. Et elle reprends l'histoire, reprends l'histoire. Reprends. J'ai dit... Oui, le petit... Emmanuel Zotomi est ton nom. Mm-hmm. Il a aujourd'hui 7 mois. Aujourd'hui 7 mois, d'accord. Voilà. Sa maman est morte par la faim. Par la faim. C'est à cause de la faim qu'elle est morte. Ils se sont dit, eh là. Le jour, un jour, elle n'a pas mangé, presque deux jours. Elle est partie maintenant pour travailler. Voilà, donc elle était faible. Faible. Le gros âge, ça devait être avortement. Mm-hmm. Parce que l'enfant avait un kilo. Un kilo. Donc. Monsieur, il ne faut pas mettre un arrêt de bébé. Donc, quand on a, les femmes sont venues voir bébé, là, dit, ah, quelque chose comme ça, on va la tuer et partir. Il y a une autre femme qui a dit, hey, comme on connaît que maman Joanna est assez décorée, on va aller avec ça. Peut-être il va vivre. Wow. C'est comme ça. Non, il faut bien positionner la tête, monsieur. Il faut positionner la tête. Oui, mais la tête. Moi, j'ai un enfant, il me l'a couru après dans le bras du bébé. Elle a un couru au bras, de toute façon. Hein? Non. C'est Dieu qui protège les gens. Les enfants blancs, ils n'ont pas ça, et puis les enfants, ils évoluent. Pourquoi enlever ça dans le bras? Ils ont venu avec ça. Mais ici, dois-tu le couvrir la protection de Dieu? Oui, moi. Oui, donc il faut enlever. Donc, les enfants des blancs, Emmanuel, c'est comme ça, il est né. Il faut fermer. Faut pas les mouches vont toucher. Mmh. Donc, quand les sages-femmes ont vu ça, ils disaient que l'enfant comme ça, sa maman ne vit plus et il est petit comme ça, il va pas vivre. Donc, on a qu'à le tuer ici pour que tout finisse. Il y a une femme qui a dit, ah, comme on attend le nom de maman Joanna, Ophelina de maman Joanna, on va l'envoyer. Et quand on a envoyé, je ne voulais pas le prendre parce que il était petit. Mais Dieu m'a parlé et je l'ai pris. Et on a commencé à donner nom. C'est dans avec, comment, du lait. Du lait là. Et les petits soins, chaque fin de mois, il faut les envoyer pour voir l'état de sang. Un pédiatre. Le sang et pour ne pas lui. Donc c'est ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, il a 7 mois. Waouh. Il a grossi. Super. Celle-là, elle a aussi une histoire. Voilà. Comment elle s'appelle? Gervin Laman. Mm-hmm. Elle, sa maman l'a couchée et elle est morte. D'accord. Donc, elle est restée avec le père. Le père n'était pas marié, il n'y a rien. Donc, alors, prenez le petit, il va tomber. Fais-le descendre. Oui. Parce qu'il est en train de dormir. Il faut le servir à manger. Serre-le directement à manger. Je vais dire son histoire après. Oui, dis son histoire. Ok, donc, c'est comme ça, Devin, elle n'a pas de mère. Mm-hmm. Donc, et depuis qu'on a envoyé, il n'y a pas de soutien, les parents ne viennent même pas, on ne les voit même pas. Tous les enfants, les parents ne viennent pas. Nous souffrons avec eux. Donc, c'est son cas. Maintenant, les envoie une assiette, mm-hmm. Faut le servir. Canabou, ça va, il sera délivré du sommeil tout de suite. Si il voit la nourriture, tout son problème c'est manger. On ne va pas bouger, hein. Il a faim. Déjà, on va il boit. Donc, quand la maman de Déjà avait 8 mois de grossesse, son mari est mort. Oui, elle était angoissée, elle était, je ne sais même pas, son mari était son tout. Donc quand il est mort, elle n'avait plus espoir. Elle a trop, n'a pas tenu. Elle n'a pas tenu. Donc quand elle est allée accoucher, l'enfant là, elle est morte. Mm-hmm. Donc le jour, c'était 1er janvier 2020. Ah donc elle est... 2019. Uh-huh, 2019. 1er janvier 2019. On l'a mis au monde et c'est le même jour là qu'on lui a envoyé ce mois ici.
depuis ça, il est là, il a maintenant aujourd'hui 2 ans, 1 mois. D'accord. C'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. Donc, les autres là. On va bien. Oui, bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Lofty Collier. Hein? Lofty Collier. Lofty. Lofty, oui. On parle de son histoire. Lofty Collier a perdu son père à l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans. Mm-hmm. Et sa maman aussi était malade, elle avait épilepsie. L'épilepsie, oui. Voilà, c'est elle que j'ai récupérée, elle était avec moi, là, qui est morte là. Donc, Lofty, elle est jumelle. Sa copine n'est pas là. Pour refroidir, refroidir le plat. Tellement qu'il a faim, il veut vite manger. Oh, c'est chaud. Donc, Lofty, elle est avec moi depuis... Elle avait 3 ans. Elle a 3 ans. Maintenant, tu as quel âge? 12 ans. Tu as l'appartement neuf? Quelle est là? Ça, c'est Joanna. Oui, Joanna. Et ça, je t'ai vu en 2006. Ouais, je t'ai vu quand tu étais bébé. Joanna tombe. On dit qu'elle a tombé aujourd'hui. C'est l'épilepsie? Tomber, ça veut dire quoi? Je ne sais pas ce qu'elle m'a dit. Parce qu'elle s'est laissée là. Mais elle devient faible et tout. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est palu. Palu? Alors, vous avez vu qui? Vous faites son examen de vous avez vu qui? L'hôpital central. Ils ont fait la prise de sang, tout ça? Est-ce qu'ils ont fait la prise de sang? Ils ont fait ça? Et quand il fait ça, on la traite bien là, ça prend même 2 ans et on va. Ah! Alors, donc maintenant là, c'est. On peut l'envoyer à l'hôpital maintenant? Oui. On va l'envoyer à l'hôpital. Aujourd'hui, elle est tombée. Oui, on va l'envoyer à l'hôpital tout à l'heure. On ira avec elle à l'hôpital tout à l'heure. Elle ne peut pas jouer à la santé. Elle dit quoi? Elle dit quoi? Son ventre lui fait mal. Mais tu vas dire ça au médecin tout à l'heure. On va t'aller voir, on va aller voir un médecin, tu vas l'expliquer tout ça. Ah. Oui, maintenant elle explique quelque chose. Est-ce que c'est pas un qu'on appelle hernie étranglée? Ou bien hernie ombilicale? Oui, parce que elle, cette dame-là, elle explique quelque chose tout de suite. Elle dit que quand le mal veut venir, ça commence par le ventre, l'ombril. Donc ça peut être un ombril, hernie ombilicale. Ça se manifeste comment? Non, mais elle s'est dit que c'est là, le nombril. Non, c'est à l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur. Il dort. Non, laisse-le manger. Il luttait deux choses, la faim et le sommeil. La faim où, hein? Il luttait les deux. La faim et le sommeil. Nene. Voilà. Propre. Le sommeil à chaos. Laisse DG manger, sommeil. Laisse le petit, tu l'avais dit. Va le faire dormir. Voilà, va le faire dormir. Il va se délivrer. Vas-y, sommeil là, le bon est bon. Ça, c'est intéressant. Vidéo là, il faut garder bien.
Alors, maman Joanna, c'est une femme de cœur. Il faut vous dire, voilà. Maman Joanna, c'est une femme de cœur. Voilà, nous sommes juste dans son secteur. Maman Joanna, elle adopte des enfants. Voilà qu'elle vient de conter l'histoire de chaque enfant. La vie dans les conditions difficiles. Je dis difficile au sens propre. Au sens propre. Difficile même pour s'alimenter. Difficile pour beaucoup de choses. C'est une femme qui a décidé d'aider des enfants. Et la plupart d'entre tous ceux qui sont là sont orphelins. Elle vient de vous conter l'histoire. On ne peut pas prétendre aimer Dieu et puis s'éloigner des enfants orphelins. On ne peut pas prétendre aimer Dieu et puis, n'est-ce pas, fermer son cœur aux gens en difficulté. On ne peut pas prétendre aimer Dieu et puis, n'est-ce pas, faire face aux gens. Une femme comme elle qui aide, n'est-ce pas, apporte le soutien. Oui, le petit a sommeil, il veut manger en même temps, non, ça l'a va dit. Tout le monde en train de rire. C'est la chaos. Le sommeil a eu raison sur lui. Alors, qu'est-ce que tu attends de chacun? De mes enfants. Oh, de chacun d'entre nous, que ce soit moi, que ce soit chacun d'entre nous. Bon, on en ira là. Hein? On va essayer de parler. Hein? On va essayer de voir. Comment on va t'aider. C'est pas la peine de... On va essayer de voir comment t'aider. C'est tout. Voilà. On va essayer de travailler sur le dossier. Voir comment t'aider. C'est tout ce que je peux dire. D'abord, il faut déjà payer le lait de l'enfant, ce bébé-là. C'est vous qui occupez de l'enfant, des enfants? Oui. Vous faites comment? Sa maman, il parle de l'enfant. Mais comment les enfants mangent? Non, ça c'est bébé. Ça c'est le bébé. Les et tous. Ah, et tous. En tout cas. Ce midi, là, il n'y a pas eu manger. Pourquoi? Parce que on n'est pas les moyens. Enlevez le chien. Alors, quand vous préparez, là, bon, c'est des questions, je ne sais pas comment répondre. Comment les enfants, je ne sais même pas, quelles questions poser, parce que là, je suis choqué, quoi, par beaucoup de choses. On s'occuper même d'un enfant, c'est difficile, à plus forte raison, beaucoup d'enfants. Il y en a combien déjà d'enfants? Ici, il y a d'autres. Non, combien d'enfants? C'est beaucoup là. Le nombre, c'est combien? 30. Il y en a combien de petits-enfants? Les petits comme ça, il y en a combien? Les bébés sont plus compliqués. Donne-moi les. Parce qu'il faut. Bon, la fin même, là, ça connaît pas bébé, hein. La faim. La faim, il ne connaît pas, bébé. Et la boîte fait 60 000 francs guinéens. C'est le musée qu'on a vu là-bas qui met beaucoup. Quand je n'ai pas l'argent, il me tourne. Quand j'ai pas l'argent. Allez, après, vous allez voir, nous. Amina, pas qu'à nous. Amina, pas qu'à nous. Tabaye là. C'est là-bas qu'on paye les. Ouais. Les gens qui sont grandis maintenant, c'est ça là qu'on a dit. C'est relax. Les gens qui ont dépassé 6 mois là. Quand tu vois un bébé faire les pieds comme ça, ça veut dire que l'enfant commence à être rassasié. Hein? Quand tu vois un bébé faire ses pieds comme ça, ça veut dire qu'il commence à être bien rassasié doux. Ah, les pieds. S'il faut la nuit, il fait plus que ça. Parce qu'il était mal nourri là où il était. Voilà, mais c'est hier, maintenant il a commencé. Tu as bien mangé. Il a jarré même. Donc il faut l'amener chez un pédiatre. Sa maman est morte, c'est ça?
C'est choquant l'histoire de chacun. Toi, comment tu t'appelles? C'est elle qui s'appelle Joanna, là. Brigitte, combien? Tu es en quelle classe? Oh, ton affaire là, c'est comme ça. Hein. Mais c'est fini. Hein. Attends. Oh. Merde. Il veut manger aussi. Lui, il mange quoi? Le lait aussi? C'est elle qui mange. C'est le... Alors, nous, on a envoyé manger. On a envoyé la nourriture manger. Votre maman dit que j'avais pas mangé, on allait acheter ça pour vous donner à manger. Merci. Alors, ce que tu vas faire, il y a du riz quand même, vous préparez. Ok, ce que on va déjà voir déjà combien de boîtes faire le mois. Et puis on va acheter des choses pour vous aider immédiatement. Il faut quoi pour manger ce soir? Il faut quoi? Ce soir là. Ça là c'est bien pour vous. Hein? Non. On a acheté banane, donc pas acheter la loco. Tu vois, il y a de l'huile, non? Il faut donner. Tiens. Je te donne. Organisez-vous à manger aujourd'hui. Hein? Et puis nous, on va vous faire des, on va envoyer des choses demain. Je vais aller avec Roger. Comme on sait déjà qu'il y a ce petit là, il prend du lait. Oui, ça, il prend ça là. C'est là. Ah, lui prend le céréla. Lui et la fille. Avec ce qui est derrière là. Mm-hmm. Ok, donc on va voir. Roger, tu essaies de voir déjà quels sont les besoins. Mm-hmm. Voilà. On va acheter les boîtes des enfants là. On va aller acheter. Demain, on va vous envoyer ça. On va partir avec maman Joanna. Elle sera avec nous demain. Et puis on va voir rapidement ce qu'on peut gérer comme. Merci. On ne peut pas laisser des gens mourir sous nos yeux. Voilà, on ne peut pas laisser les gens mourir sous nos yeux. Une boîte fait combien? Ça fait 3 jours. La boîte de céréla fait combien? C'est là, 45 000 65 000 francs les deux boîtes. 105 000 francs les deux boîtes. Pour 3 jours. C'est un sérieux problème. Tu as vu, non? Je t'ai parlé de la problématique. Non, non, la problématique, il y a. C'est un sérieux problème. C'est un sérieux. Il faut pas faire même pour. C'est un sérieux problème. Bon, je vais te donner déjà l'argent. Toi, mais tu vas lui faire un. Il faut compter. C'est 90 000. C'est 100 000. Vous avez enlevé 10 000 francs. Non, c'est 100 000. Vous avez enlevé 10 000 pour donner là où on a payé banane. Ah, donc, tu joues bien l'argent là. Hein? Ah. Ça fait 190 000 maintenant. Tu es en direct? Ouais. Non, ça fait combien? 180 000. Non, mais compte. Parce qu'on ne sait jamais les billets là. Tu as bien compté? Tu as bien compté? Roger. Ah, c'est pas toi. Ouais. Tu n'as pas compté? Tu veux me mettre en problème aussi? Tu lui fais confiance? J'ai compté derrière. Ça fait combien?
390. Bon, allez, c'est ce que je peux vous donner aujourd'hui. Allez acheter les laits des enfants, tout ça. Voilà, achetez les laits. Parce que déjà, ce bébé-là, de toute façon, il a commencé à manger, là. C'est pas... faut aller acheter les laits des enfants. Acheter, voilà. Et puis maintenant, la nourriture, l'acheter. Nous, maintenant, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. C'est toi qui t'occupes des enfants, non? On va voir avec Roger comment on va te payer par mois. Pour que tu donnes à manger midi, le soir, on va travailler Maman Joanna. Il ne doit pas avoir mangé ici, ce n'est pas possible. On était dans la voiture, les enfants appelaient, on était même à mon hôtel, les appelaient parce qu'ils avaient faim. Ouais. Si la faim rentre, les enfants deviennent des voleurs. Si la faim rentre, tout de suite, elles vont devenir des prostituées. Il faut éviter ça. Il faut éviter que la faim soit dans cette maison. Il faut éviter ça. Voilà, donc on va régler ça. On va travailler un peu sur ça. Déjà même, on a compris que j'ai déjà un problème de nourriture, à la base. Les enfants vont à l'école, mais il y a un problème de nourriture. Ils sont arrivés tout à l'heure, il n'y a pas de nourriture. Donc on a dit, si on s'en est, il faut qu'on n'a pas acheté à manger. On allait à Maman Joanna l'acheter à manger, en vous envoyant manger. Nous, on fera ce qu'on peut faire. Voilà. On n'a pas tout l'argent du monde, mais on va partager ce peu que Dieu nous donne ensemble pour que ces enfants-là ils puissent vraiment évoluer. Voilà. Voilà. Ça, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on a l'argent du monde qu'on doit aider forcément. Le peu qu'on a, on va partager. La Bible dit qu'il faut aider les orphelins. Il faut les aider. Les enfants en difficulté, il faut les aider. Et ça, c'est très important. C'est le combat que nous menons. C'est de permettre à ces enfants-là d'avoir le sourire et tout ça. Voilà. Alors, on dit la petite, elle est tombée, c'est ça, non? Il faut qu'on voie un peu son problème de santé. Ah oui, tu as vu? C'était bon manger, hein? Maman Joanna, tu as des pains sur la planche. Hein? Oui, si, si, je sais. Je sais. Non, mais Maman Joanna, je connais. Je connais. Je connais. Il faut acheter thermos. Il n'y a pas thermos. Voilà, je vous achète tout de suite deux thermos. On achète tout de suite. On va acheter deux thermos tout de suite. Qu'à chanter. C'est lui, oh, il m'a fait cela. C'est lui, oh, il m'a fait cela. C'est lui, oh. Qui m'a fait cela? C'est lui, oh. Il m'a fait cela. Ok, allez manger. Hein? Allez manger et que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous aide, que le Seigneur vous bénisse. On va aller avec manger. Voilà. Alors, c'est important de soutenir les gens. Ce n'est pas parce qu'on veut frimer. Non, il faut aider les gens. Si on peut le faire, il faut le faire tranquillement. Voilà, Dieu passe par des gens pour aider des gens. Et donc, il faut te mettre à la disposition de Dieu. On ne sait pas combien de temps nous vivrons sur cette terre. On ne sait pas. C'est nos œuvres qui vont nous accompagner. La Bible dit que vos œuvres vous accompagneront. Il faut faire des œuvres pour que les œuvres nous accompagnent. Et ça, c'est très important. Maman Joanna, je la connais. Depuis 2006, ma visite ici, Nzéré Corée, je sais qui elle est. Une femme de cœur. Je sais qu'elle est. Quand j'ai appris qu'elle avait un orphelinat, et surtout un orphelinat en difficulté, en vraiment difficulté, nous sommes en train de voir comment l'aider vraiment. Vraiment. Nous ne savons pas combien de temps. Cet argent que nous gagnons, nous allons vous laisser. D'autres vont bénéficier de ça. C'est parce qu'on a beaucoup d'argent. Mais la Bible dit, nos œuvres nous accompagneront. Il y a des gens, si tu ne peux pas aider quelqu'un, il ne faut pas le détruire. Si tu as la capacité d'aider, il faut aider. Et la Bible dit que celui qui tend la main au pauvre prête à l'Éternel. Et ça, c'est très important. D'aider les gens qui sont en difficulté, qui ont besoin d'une petite nourriture. N'est-ce pas? Regardez cet enfant, ce bébé-là. Voilà, qui avait vraiment besoin de manger. Maman Joanna, que Dieu te garde longtemps. Voilà, pour cette œuvre que tu entreprends dans la vie des enfants. Et puis, Dieu t'aidera. Voilà, vraiment, Dieu t'aidera. Alors, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Déjà, on va essayer de voir. On a déjà détecté les problèmes. Nous, on est venu détecter les problèmes. On en a vu beaucoup. On a vu le vrai problème, heureusement. Heureusement, on t'a même dit. On a dit, maman Joanna, si quelqu'un ne te soutient pas, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas t'en sortir parce que les enfants, là, on dépense trop. Oui, voilà. C'est pour ça que les gens dans les orphelinats préfèrent prendre des grands enfants que les petits enfants. Oui, les petits, là, il y a trop de dépenses là-dessus. Nos problèmes sont fragiles. Il y a la fragilité d'un problème de santé et puis un problème d'alimentation. Les gens sont très fragiles. Voilà. La fragilité. C'est un fardeau. Hein. On va t'aider. Le fardeau, là, Dieu t'aidera. Dieu connaît ton cœur et nous savons qui tu es. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui va me venir me dire le contraire de Maman Joanna et puis je vais l'écouter. Je sais qui tu es. Tu as toujours partagé, tu es resté tel. Voilà, unique à ton genre. Voilà. Respectez votre maman. Hein. C'est ça. Celle-là, c'est ma maman. Il faut qu'on parle, vous là. Vous et moi, il faut qu'on parle. On va parler. Parce que cette femme-là, ce qu'elle fait pour vous là, si vous ne la respectez pas, Dieu ne va pas vous bénir. Le principe pour grandir dans la bénédiction, c'est obéir aux parents. C'est une loi pour avoir la longévité et pour avoir beaucoup de choses. Mais je viendrai, vous-même, on va parler entre nous. Comme ça, je vais vous parler. Voilà. Si vous voulez être béni, il faut respecter Maman Joanna. C'est votre mère. Voilà. Pour ce qu'elle est en train de faire, où elle enlève l'argent pour vous nourrir. Nous, on réfléchit. Elle me disait dans la voiture ici que si elle va prendre crédit chez un boutiquier, elle lui demande, donne-moi. Et quand elle a l'argent, elle paye. Attendez, mais elle le fait pour vous. Voilà, elle le fait pour vous. Je souligne de passage que Maman Joanna, c'est une femme de cœur. Et ça, c'est une femme de cœur. Cette dame, nous la connaissons. Que Dieu la bénisse. Voilà. Et que Dieu protège ses enfants. Que Dieu protège ses enfants. Et que Dieu te donne encore longue vie. Et surtout les moyens. C'est pas votre téléphone, vous m'appelez comme ça. Ah, les gens, vraiment. Alors, c'était une petite visite chez Maman Joanna. Voilà, chez Maman Joanna. Voilà, une visite chez Maman Joanna. Cette maman a besoin de soutien. Voilà, nous allons l'aider. Nous allons l'aider. Alors, ce qu'on va faire. On t'a préparé le foutou. Il faut que tu manges un bon foutou. J'ai demandé à l'hôtel là-bas de faire bon foutou à Maman Joanna. Elle soit graine. Il faut qu'elle mange. Elle est trop fatiguée. Elle a besoin d'aide. Voilà.
Ok, on va essayer de voir. Ok, on va vous laisser, on va vous lâcher les gens, on va régler les choses, on est en famille là. Voilà, on est en famille, je suis en train de vous montrer. Pendant que d'autres mangent bien là-bas, il y a d'autres qui souffrent. Pour vous dire que la vie là, pendant qu'on mange bien, on mange, d'autres on est heureux, d'autres même on verse la nourriture. Il y a des gens qui ont besoin de petits seulement pour vivre. Vous comprenez? Alors, si on peut aider quelqu'un, il faut l'aider. C'est ce que j'ai dit toujours, donc, si on peut aider, il faut aider. Voilà, ce qu'on sème là, c'est ce qu'on récolte demain. Que Dieu se souvient de tous les orphelins dans le monde entier, dont j'en fais partie. Voilà, moi-même, je suis le premier orphelin même parmi vous. Je n'ai ni père, ni mère, voici ma maman là. Alors donc, que Dieu protège tous les orphelins du monde entier, que Dieu vous donne à manger, que ceux qui n'avaient pas à manger, que Dieu se souvient de vous, que vous donne à manger. Donc, que le Seigneur vous donne à manger. Et que Dieu opère un miracle comme il a fait à Élie. Le corbeau l'a nourri. Qu'un corbeau vous visite au cours de la journée. Parce que l'esprit de sorcellerie, la faim envoie la sorcellerie. Quand tu as faim, tu deviens sorcier. Ton cerveau tourne trop. Après, tu convoites. Ce que tu ne pouvais pas faire, là, tu fais. Ah, cette chose-là, la faim, bon, laisse tomber. Alors que Dieu se souvienne de tous ceux qui ont faim dans le monde entier et que Dieu vous accorde un corbeau pour vous donner à manger. Voilà, que je prie le Dieu du ciel et de la terre de se souvenir de tous ceux qui ont des difficultés de pouvoir s'en sortir, des veuves et des orphelins, de ceux qui souffrent, qui n'ont rien à manger. Seigneur, souviens-toi d'eux, donne-leur à manger, aide-les. Aide-les, donne à manger à ceux qui souffrent dans le monde. Alors, shalom à vous, on est ensemble.